je m'appelle Marie-Ange Prade, j'ai 69 ans. Je suis arrivée à Quillan il y a 2 ans. Auparavant, j'étais dans les Pyrénées-Orientales et j'ai eu une galerie à Villefranche-de-Conflans, site UNESCO, galerie d'art et une galerie brocante également. J'ai eu une galerie à Perpignan de 110 mètres carrés qui s'appelait c'était l'espace José Bonhomme face aux Beaux-Arts. Et j'ai fermé 4 ans après suite à un burn-out. Et puis la situation économique commençait déjà à péricliter. De là, j'en ai eu marre de la France. Et je suis partie vivre 5 ans en Andalousie, dans un petit village. Et il n'y avait pas d'art, il n'y avait pas de livres, il n'y a rien de rien de rien. Donc je suis restée 5 ans, ça m'a permis de faire un break dans ma vie. Et puis revenir ici à Quillan. Et j'ai cherché, je me suis baladée, j'ai vu qu'il y avait des locaux vides, de très belles vitrines, des boiseries. Et je trouvais, ça me faisait de la peine que les gens ne prennent pas conscience de tout ce travail qui a été fait. Donc j'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Audier, Jean, qui est l'ancien boulanger de Quillan. Et ça a accroché de suite, il m'a laissé le local pendant 1 an. Et voilà le résultat maintenant. J'assure un loyer maintenant parce que je peux l'assurer. Et j'ai fait un espace où je donne la parole et surtout les yeux et les mains aux artistes de la région et autres. Puisque j'ai des artistes catalans, audois, catalans du sud, espagnols, allemands, de toutes les nationalités. En fait, l'art n'a pas de frontières. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui me plaît. Et je suis artiste peintre, enfin, je peins, voilà. J'ai fait de la sculpture aussi. Je sais reconnaître un bon artiste, c'est mon job le plus facile. Et le potentiel des artistes aussi, j'arrive à retrouver ça. Alors, ma peinture, c'est simplement, j'ai une amie qui est infographiste et qui est psychiatre maintenant, puisqu'elle a fait, elle a repris la suite du cabinet de sa maman. Et en fait, cette artiste est venue une fois dans mon atelier à Perpignan, la rue des Dragons. Et je peignais, je faisais carrément de l'abstrait, je peignais la nuit, j'ai peint la bougie également. Ce qui me plaît dans la peinture, c'est la recherche, les composants chimiques, leurs réactions, comment ça se passe. Je suis une curieuse. Et donc, cette nana est venue et puis elle me dit, Marie, elle me dit, c'est marrant parce que tu peins les âmes. Ah. Et en fait, je me suis aperçue que oui. Donc, j'ai fait du figuratif et j'ai commencé à faire de l'abstrait. Et je me suis fatiguée de l'abstrait, donc j'ai fait de l'abstraction lyrique, c'est ce que je fais actuellement. Et je me fiche, mais vraiment je me fiche de savoir si on aime ma peinture ou pas. Moi je la fais, je l'ai très bien vendue, je ne vends plus parce que je n'expose plus, je n'ai pas envie. Et si je me fais une petite expo, ben je vendrai pareil, mais pas au même prix parce que je me refuse à vendre des tableaux à plus de 1000 euros. Je me refuse systématiquement. Voilà, ça sert à rien. J'écoute de la musique ethnique, j'écoute de la musique classique, j'adore le jazz également. Et selon la peinture, le moment, je ne sais pas, ça vient tout seul. Et je ne choisis pas. Je peux faire de la techno, de toute musique. Il suffit que la musique, je ressens la musique par les basses. Et donc, c'est ce qui fait vibrer mon corps et mon esprit, c'est les basses. Donc, je suis très branchée drum, très branchée didgeridoo. Voilà, des musiques qui me transportent et qui me font rêver. Et c'est comme ça que je peins. La particularité de cette galerie, de cet espace, c'est que j'exige de mes artistes, enfin je dis mes artistes, des artistes, en fait, j'exige qu'il n'y ait pas de prix
trop élevé. Nous ne sommes pas à Toulouse, nous ne sommes pas à Carcassonne, nous ne sommes pas à Perpignan, nous sommes à Quillan. Quillan, qui a une histoire avec Formica, on va le nommer, et qui depuis se sent complètement déshérité, abandonné, il n'y a plus rien, on est seul au monde, il y avait avant. Et bien cet avant, il faut essayer de le remettre un petit peu en avant. C'est ce que j'essaie de faire avec les artistes et les artisans et certains commerçants du coin également. Voilà, remettre la vie dans cette rue. Et c'est un lieu où je rencontre des gens différents. Et je rencontre la vie, l'humour, la sympathie, l'humanité. Et on s'aperçoit qu'on a tous les mêmes problèmes. Donc pourquoi mettre une façade ? Voilà. Je suis anti-façade. D'ailleurs, ma boutique n'a pas de façade. Donc... Ici, celle-ci fait à peu près 40 mètres carrés. Il faut savoir que, en passant là, on devait faire une ouverture. Et il se trouve qu'il y a. Si on devait bâtir, il y a un mur de 80 cm, c'est de la pierre. Donc, on fera ça au mois de novembre. Et ensuite, je récupère tout le bas des locaux commerciaux qui appartiennent à Monsieur Audier, sauf une pizzeria qui est à côté. Et l'avenir dira si elle m'appartiendra ou pas. Pour l'instant, c'est en stand-by. Et ouvrir une autre galerie d'art où là, il y aura quand même beaucoup plus d'artistes internationaux. On y travaille. Et de l'autre salle qui est attenante. Et tout va communiquer, faire un lieu de rencontre pour vendre des épices, du produit fin qui vient d'ailleurs, montrer qu'ailleurs il y a aussi une vie, que tout le monde, on est tous pareils, quoi. Donc développer ça, mettre quelques petites tables. Je travaille qu'avec de la brocante, de la récupération, j'achète rien de neuf, ça ne m'intéresse pas. Donc, les gens qui veulent boire un thé, boire une bonne bière, il y aura du vin, puisque je vais prendre une licence 3 pour justement permettre aux gens de prendre une tapas avec une bière ou un verre de vin, toujours dans la sélection sur nos vins régionaux. Voilà, mettre en avant nos vins régionaux. Et pourquoi pas aussi, il y a des petits secrets aussi qui arrivent. J'aime bien Klimt, j'aime bien, c'est marrant, j'aime bien Picasso, mais j'aime sa peinture parce qu'elle me fait voyager et puis il ose. Après, il y a d'autres artistes, il y a Goya, il y a d'autres artistes espagnols, je suis très inspirée par les grands peintres espagnols, voilà. Simplement que l'amour, l'art, c'est de l'amour et c'est une porte ouverte aux relations et aux échanges. Et il ne faut pas tout mélanger dans la vie, c'est tout. C'est l'art, c'est cette relation d'ouverture. J'ai vécu en Côte d'Ivoire et j'ai apprécié de voir les gens, comment ils travaillaient le bois, comment, avec des outils vraiment rudimentaires. J'ai vécu, je l'ai vu au Maroc, je l'ai vu en Asie. Voilà, donc, voilà.